Adam, je pense que le Polisario a pris ses mesures provocatrices pour tenter d'exploiter la controverse et la polémique en cours en Amérique et à Washington, en particulier sur la question du transfert du pouvoir. Le président Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite, ce qui n'a pas facilité le transfert des rapports de sécurité à Biden, chose qui a créé un chaos dans le processus de transition. Quant à ce que j'ai entendu de l'administration, ils sont tous conscients que le Polisario mène une guerre contre le Maroc et cette question les préoccupe, mais ils sont actuellement confrontés à une situation très urgente en raison du transfert du pouvoir et le président mène toujours des poursuites judiciaires dans plusieurs États. C'est peut-être l'objectif majeur du Polisario, tirer profit du contexte que nous vivons actuellement. Euh, JD, vous avez mentionné un point important ici. Certaines parties peuvent voir dans cette instabilité politique actuelle liée au transfert du pouvoir aux États-Unis une opportunité favorable pour agir. Pensez-vous que leur vision est correcte? Adam, je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un bon calcul. En fait, leur exploitation dans notre situation interne est une... Erreur, car les choses seront résolues à la fin. Et Biden et son administration vont nommer un candidat pour le Département d'État afin de s'occuper de la question. Le Polisario alourdit encore plus la tâche de Biden avec des problèmes dont il n'a que faire à l'heure actuelle, de sorte que le prochain secrétaire d'État américain, il ne sera pas content de commencer son mandat avec ces problèmes créés par le Polisario. Tous les Américains veulent voir la stabilité dans cette région, refusent l'idée de toute confrontation armée là-bas. Le Polisario n'agit pas intelligemment en provoquant cette crise et en exploitant notre situation interne aux États-Unis, car dès que nous résoudrons nos problèmes, le Front regrettera de telles actions.